Good morning, à l'aïdan et sur aujourd'hui le nishmat machlofi chaben masouda rivka bat levi yitzhak nachman yosef ben nachum avram chenor ben ben fortune mazal do ben yudite nizan ben mafret. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishnah contre le sacrifice éternel, nous étudions la sechet midot perek alef Mishnah dalet. Shiva sharim ayu ba'azara, shlosha batzafon ou shlosha badarom, ve'achad ba'mizrach, shebadarom, shar hadelek, shenilo, shar abechorot, shlishilo, shar amay. Chez Bamizrach, Shahar Nikanor, Ushte, les Shachot Ayulo, Achat Mimino, Vachat Misemolo, Achat Lishkat Pinchas Amalbish, Vachat Lishkat Ose Chavitin. Dans la Mishnah précédente, on avait expliqué les cinq portes du Har Abayit, du Mont du Temple, de manière générale. Maintenant, on va se concentrer sur les portes de la Hazara. La Hazara, l'enceinte du Bet Amigdash, proprement dit, où il y avait le Mizbeach. Et le Echal, et notre Mishnah nous enseigne qu'il y avait sept portes d'entrée. Trois au sud, trois au nord, et une à l'est. Bien évidemment, comme vous pouvez le constater, dans notre dessin, il y en a plus. Concrètement, il y aura une discussion qu'on découvrira dans le Perek Bet. Il y a un avis qui pense qu'il y avait 13 portes. Et 13 portes, j'ai un problème parce que dans notre dessin, on arrive jusqu'à 11, je ne sais pas encore l'expliquer. Ça fait longtemps que je n'ai pas étudié Midot. Quand j'arriverai là-bas, on expliquera tout, Bezrat Hashem. Pour le moment, notre Mishnah considère qu'il n'y avait que 7 portes. 3 ici, et une là. Et la Mishnah commence à nous expliquer le nom et la fonction de chacune. Chez Badarom, au sud, il y avait 3 portes. Une qui s'appelait le Shahar Adelek, la porte littéralement de l'essence du combustible. Chez Nilo, Shara Bechorot, la deuxième, c'était la porte des Bechorot, des aînés. Shlishilo, la troisième, c'était le Shar Amaim, la porte de l'eau. Et Sheba Mizrach, à l'est, maintenant, on est dans celle-ci, la grande porte d'entrée, le grand portail d'entrée de la Hazara, où quasiment tout le monde entrait par là-bas, en fait. Shar Nicanor, ça c'est le Shar, la porte de Nicanor. Ushtei l'échachot à Yulo, il y avait là-bas deux l'échachot, deux petites cabines, une d'un côté, une de l'autre, des deux l'échachot, donc deux cabines. Achat mimino, une à sa droite, une à sa gauche. Achat lishkat pinchas amalbish, la première était la lishka, la cabine de pinchas amalbish, pinchas l'habilleur, le tailleur. Achat lishkat osé chavitin, et l'autre c'était la lishka ou des osé chavitin de ceux qui font les omelettes. Bon, on explique un petit peu tout ça, de quoi on parle exactement dans notre Mishnah. Il y avait donc, on a dit, pour le moment, on a parlé de cette porte, dans notre Mishnah en expliquer 4, et la prochaine Mishnah explicitera les noms et la fonction des trois autres portails qui nous restent ici. On commence avec ceci. La Mishnah nous enseigne qu'il y en avait trois au sud. Une, c'était le Shahar Adelek, la porte du combustible, c'est là où on faisait entrer les... Alors il y a deux avis. Les bûches, pour faire brûler sur le Mizbeach, elles entraient par ici. Pourquoi spécifiquement? Je ne sais pas. C'est pas précisé. Mais il y en a qui pensent qu'il fallait... que c'était pas des bûches qu'on faisait entrer de là, mais que c'était plutôt du feu. En plus du feu de la Maharacha. Vous savez qu'il y avait un feu qui était descendu le jour de l'inauguration du deuxième Beth Amikdash même. Il y a un feu qui était descendu, qui avait allumé... un feu du ciel qui était descendu, qui avait allumé la Maharacha. Et depuis, lorsque on apportait un korban, alors il y avait un feu qui surgissait d'un bûcher pour brûler consommer le corban de l'autre. Malgré tout, on avait une mitzvah d'apporter un feu de l'extérieur. Comme ça, il y a des avis qui pensent. Donc, et on le faisait entrer par ici. Chez Nilo, le deuxième, c'était le Shahar HaBechorot, l'entrée des Bechorot. C'est quoi les Bechorot? On parle en fait des corbanot. C'était une manière en fait de nous dire que par là, on faisait entrer tous les corbanot qui étaient des Kodashim Kalim. On avait appris dans Zvachim que le Kodashim Kodashim, les corbanotes de niveau super kadosh, ils étaient tous, on leur faisait la shrita dans la partie nord. Veshachat oto l'erech ha-mizbeach, tzafon alifnei ha-mizbeach. Toujours veshachat oto batzafon. Au nord, pour les kodesh kodashim, la super kdusha. Mais pour les kdusha amoindris, kodashim kalim, alors on pouvait le faire dans toute la Hazara. De ce fait, on les faisait entrer dans la partie sud pour que tu te souviennes que c'est pas grave, tu leur fais la shrita au sud, ne les invalide pas. Pourquoi spécifiquement les Bechorot, plus que n'importe quel Kodashim Kalim? Il y en a plein des Kodashim Kalim. Il y a les Shlamim, le Korban Toda, il y a le
Bechor, Pesach, Maaser. Tout ça, c'est des Kodashim Kalim. Pourquoi est-ce que tu as appelé ça Shar Bechorot? Il y a des Mefarshim qui expliquent, Sifra d'Israël, aussi ça en fait dans les Likoutim ici, qu'ils interprètent tout simplement en disant que les Bechorot, ils étaient consommés entièrement par les Kohanim. Alors, si c'est consommé entièrement par les Kohanim auraient pu faire l'erreur de se dire, ah, c'est chez Kodashim, c'est des niveaux de super Kadosh, puisque c'est que pour le Kohanim. C'est pour ça qu'on te dit, qu'à partir du au Kohanim, le Bechor, tu le fais entrer par là, comme ça vous vous rappelez que les Kodashim Kalim, on les fait dans toute l'enceinte du Beit HaMikdash et même les Bechorot. Voilà pour les deux portes. Ah non, troisième porte, Shlishilo, la troisième porte, c'est le Shar Amaim, la porte de l'eau, littéralement. Vraisemblablement, le dessin, le schéma, le croquis n'est pas proportionnel parce que la porte, elle était beaucoup plus bas. Ça sort pour deux raisons. D'une part, parce que ça sortait du Kodesh Kodashim. Il y a deux avis, en fait. Il y a deux interprétations pour que ça s'appelle la porte de l'eau. Soit parce qu'il y avait de l'eau qui sortait par là-bas, soit parce qu'il y avait de l'eau qui entrait par là-bas. C'est-à-dire quoi qu'il y a de l'eau qui sortait par là-bas. C'est parce que du Kodesh Kodashim, du Kodesh Kodashim, il y avait un tout petit ruisseau très fin qui commençait à sortir et à s'écouler. Et jusqu'à arriver, il y avait plein de sources à Yerushalayim, c'est une zone montagneuse, il y avait plein de sources. C'est fréquent, j'habite à Ramot et Yerushalayim, c'est fréquent que dans certaines constructions où ils ont voulu construire pour faire des fondations, ben ils n'ont pas réussi à construire parce qu'il y avait tout au fond, il y avait de l'eau, il y avait une source. Ça a ramollé toute la terre et donc il faut déplacer les piliers et comme ça on creuse sans arrêt jusqu'à qu'on trouve. Enfin, voilà, donc c'est une zone montagneuse. Ben, il y avait là-bas, dans du Kodesh HaKodeshim, il y avait des petits ruisseaux, des tout petits filets d'eau qui commençaient à sortir. Lorsqu'ils arrivaient au niveau de la porte, alors ça se transformait en eau beaucoup plus violente, beaucoup plus forte, pas violente, beaucoup plus conséquente. On redécouvrira ça dans Tachem au Perek Bet, c'est déduit des psukim de Yecheskel. Ça, c'est la première interprétation, donc c'était de l'eau qui sortait du Kodesh HaKodeshim vers l'extérieur. Deuxième interprétation, en fait, c'était qu'il y avait, ça c'est rapporté dans le Tiferet Israël, la deuxième, qu'en fait, à Sukkot, il fallait apporter de l'eau de Meshiloach, de l'eau de l'extérieur, de l'apporter pour faire le Nisuch HaMaim. Cette eau qu'on apportait de l'extérieur, elle entrait par cette porte, donc pour ne pas faire des détours pour rien, la porte elle était beaucoup plus bas, et on faisait entrer l'eau par ici, comme ça on montait directement sur le Mizbeach. Maintenant, Sheba Mizrach, à l'est, on avait une autre porte, un grand portail, c'est la porte principale, ça s'appelait le Shahar Nicanor, la porte de Nicanor. Qui était Nicanor? Nicanor, c'était un juif tzadik qui était parti loin pour acheter des portes en l'honneur du Beit HaMikdash, je crois que c'était en Égypte, il était parti à Alexandrie, il me semble. Et puis, donc, il avait fait sculpter des très belles portes, très conséquentes, et lorsqu'il a voulu les prendre, ces portes, pour les rapporter, il les a fait monter dans un bateau, pour faire ce trajet, quoi. Et lorsqu'ils sont arrivés avec le bateau, et en pleine mer, il y a eu une tempête qui s'est levée, qui a commencé à faire un peu trembler le bateau, quoi. Et du coup, les marins, ils ont commencé à prendre une première porte, et ils l'ont jetée à l'eau. Nicanor, il n'en pouvait plus, c'était énorme, ils sont venus pour prendre la deuxième porte, il a dit, non, jetez-moi à la place, mais ne jetez pas cette porte-là. Du coup, la mer, elle s'est calmée sur le moment, et lorsqu'ils sont arrivés au port, ils ont vu que la deuxième porte qu'ils avaient jetée à l'eau, elle les avait suivies, elle était restée collée. Du coup, lorsqu'on a récupéré ces portes et qu'on les a mises dans la Hazara, on les appelait Shahar Nicanor. Ça, c'était pour Nicanor. Et la Mishnah enseigne qu'il y avait Ushte les Shachot Ayusham. Il y avait sur le côté, vous pouvez le voir dans le dessin, c'est dans la page principale de la revers de la brochure, il y avait deux petites les Shachot. On avait dit qu'il y avait toutes sortes de. Dans l'épaisseur du mur, il y avait toutes sortes de petites cabines. Et là-bas, il y avait deux Shachot, deux cabines. Une qui s'appelait Pinchas Amelbich, la cabine du Pinchas, celui qui habillait les Kohanim, qui s'occupait, lui, de gérer les vêtements des Kohanim. Et pourquoi Pinchas? Parce que le premier du Beit HaMikdash, qui était Memouné, qui était nommé pour gérer les stocks des vêtements, pour gérer les stocks des vêtements et habiller les vêtir les Kohanim à leur taille et tout ça, il s'appelait Pinchas, du coup, c'est la salle de Pinchas. Et là-bas, donc, il avait les Kohanim. Le Tiferet Israël précise que c'était ici, comme ça, ils sont tout de suite, et c'était spécialement dans la partie nord, à très haute proximité de l'endroit où on faisait la Shrita des Behemoth, comme ça, ils s'habillaient, ils commencent tout de suite à rentrer en service. Et du deuxième côté, il y avait l'Ishka des Ose Chavitin, ceux qui faisaient, les Chavitin, c'est pas les omelettes, en fait, c'était une mincha spéciale que le Kohen Gadol devait faire tous les jours,
la moitié. Ravité Kohen Gadol. On avait dit, il y avait 12 pains, on faisait la moitié des 12 pains le matin, l'autre moitié des 12 pains, on les faisait brûler sur le Mizbéach l'après-midi. Et on le faisait à cet endroit-là, comme on avait vu ça dans le Sechet Tamid, on avait vu aussi déjà ça. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.